on se retrouve, j'ai terminé la construction et donc je vais vous présenter ce que j'ai réalisé donc pendant ce petit time-lapse, qui a été, je pense, un peu plus long que d'habitude. Donc je vais tout vous montrer, on va aller de gauche à droite. Donc vous savez ici, on va y aller rapidement parce que je n'ai pas malheureusement beaucoup de temps pour vous présenter tout ça. Alors vous avez ici un arbre, alors un arbre mort. Alors vous demandez ce qu'il fait là et pourquoi il a ce design, c'est vrai qu'il est extrêmement moche. De un, tout simplement parce que je ne sais pas designer les arbres. Alors si vous avez quelques vidéos avec des tutos, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires parce que je ne sais vraiment pas faire des arbres. Et le mien est relativement moche. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut observer sur cet arbre? Eh bien déjà, donc, c'est un arbre mort. Pourquoi? Parce que j'ai enfin décidé de l'histoire. Et en fait, l'histoire, ce serait que donc, l'armée rebelle s'est établie dans cet ancien temple Jedi qui jadis abordait un parc luxuriant, tout ça, avec beaucoup de grands arbres comme ceci, des piliers, puisque on avait designé des piliers qui étaient beaux, fiers, grands. Mais voilà, ce temple Jedi n'a malheureusement pas résisté au temps, aux guerres qui se sont déroulées devant lui. Et le décor, enfin l'extérieur en a pris un coup. Alors comme vous pouvez le voir, donc cet arbre est complètement mort. Et en fait, vous pouvez voir qu'il a poussé dans un pilier, puisqu'on reconnaît ici les débuts de pilier. Vous voyez toute la végétation qu'il y a autour. Alors, il est sur une petite hutte, une petite botte, pardon, de terre, comme les piliers de l'autre côté. Donc voilà, que j'ai un peu, cette fois-ci, peut-être un peu plus travaillé, peut-être qu'on retravaillera les autres, on verra. Mais donc voilà, cet arbre qui est là. Alors j'aime beaucoup cette idée, après l'arbre changera peut-être. Donc voilà, si vous avez des tutos, n'hésitez pas à me les présenter pour cet arbre. Sinon, on a beaucoup travaillé sur cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette partie? Eh bien, tout simplement, il y a de la terre et il y a surtout trois cascades. Donc, en fait, des cascades qui, jadis, bien évidemment, il y avait sûrement des bancs autour, on pouvait se promener. Bon, bah là, comme vous voyez, j'ai mis Obi-Wan Kenobi, mais il est un peu seul sur cette plate bande, voilà. Et donc, vous avez deux petites cascades ici qui sont entourées de plantes et vous en avez une grande là. Donc, j'aime pas mal le design, je trouve ça assez sympa avec des fleurs, enfin des plantes autour, des plantes en bambou. Et voilà, vous avez la margelle des cascades, donc l'eau un peu en mouvement dedans. Donc, voilà, ça donne un peu de vie au mock et je trouve ça pas trop mal. Et puis voilà, autour, vous avez des cailloux un peu partout, des stalks. Alors, comme vous pouvez voir, pour l'instant, le mur du fond est très peu détaillé, mais au fur et à mesure qu'on avancera dans le mock, il prendra du détail, comme l'avant que je vous avais présenté dans le dernier épisode. Donc voilà, peut-être qu'on rajoutera des choses derrière. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on y rajoutera quelques petites choses. Et enfin, qu'est-ce qu'on a complètement à droite? Eh bien, complètement à droite, à part ma cuisine, nous avons un petit pilier. Voilà, il nous en restait un. Donc le quatrième qui est là. Donc pareil, lui aussi sur une petite motte de terre. Et donc lui aussi, il est complètement abîmé, complètement pété. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas bien grand comparé aux autres qui sont devant. Vous en avez un dans le fond là-bas. Donc vous voyez, lui, il a été complètement rasé. Et donc il y a de l'herbe partout dessus. Donc voilà, je trouve que les mottes sont plutôt stylées, je les aime bien. Et comme vous pouvez voir, donc, il nous reste encore quelques parties à recouvrir de terre. Donc ici, on avait aussi de l'autre côté. Ici, voilà, il faudra recouvrir de terre partout. Je voulais juste ajouter un petit truc sur le fait que certaines personnes m'avaient dit qu'il manquait de verre dans les commentaires. Ben voilà, du coup, on ne va pas en mettre tant que ça du verre, tout simplement parce que le verre, c'est quand même assez joyeux. Enfin, ça dépend quel verre, mais bon, ce verre-là, il n'est pas trop triste. Et donc, du coup, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est un peu un sol de désolation sur lequel on voit qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu des batailles. Et donc, le problème, c'est que si on met du verre, eh ben, on perd un peu cet aspect de vieillissant, de lugubre que j'aimerais conserver à tout prix. Donc voilà, eh ben, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur l'arrière de ce mock. En tout cas, j'espère que le timelapse vous a plu. Et puis, ben, on se retrouvera la semaine prochaine sûrement, donc pour le nouvel épisode, si j'ai eu le temps d'en faire un, parce que j'ai en ce moment beaucoup de travail, enfin quoi que la semaine prochaine, je suis en vacances, donc finalement je pourrais sûrement vous le faire. Et puis sinon, sachez aussi que je ferai des tutos pour les piliers, pour réaliser aussi la salle des ordinateurs, je sais qu'elle a plu à beaucoup d'entre vous, donc voilà, on fera ça dans un épisode tuto qui sera intégré dans la série, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que cette partie-là vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire pour l'arbre et pour le reste, si vous avez des idées.
Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est toujours pas fait. On a dépassé les 300. Et puis, le prochain cap, c'est les 400, puis les 500. Et puis après, on verra, on montrera au fur et à mesure. En tout cas, c'est vraiment super. Moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.